29. Et donc, salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de ma série sur Empire Total War. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par rapport au dernier épisode? Bah, j'y jouais un petit peu hein, pour me remettre un petit peu dans le bain parce que ça fait plus d'une semaine que j'ai pas touché le jeu parce que je ne touche pas au jeu sans me mettre sans filmer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, au dernier épisode, on n'avait pas remarqué, mais il y a une armée ici qui est proche de cette ville, donc on risque probablement de la perdre, ce qui en soi vraiment mauvais, parce que je ne peux rien faire. Et au dernier épisode aussi, ce qu'on avait fait, c'était, on avait pris Boulax, je sais pas comment le dire, on avait pris une ville de Crimée, ce qui avait détruit la nation et ce qui nous avait ouvert la voie à la mer Noire pour ouvrir une nouvelle ligne de commerce. Donc, je sais pas si je parle fort ou si je parle pas fort, j'ai juste augmenté le son du jeu, donc désolé si mon micro, si je parle pas ou si je parle mal, alors attendez. On va faire un petit truc. Voilà. Donc, on avait aussi découvert la baïonnette, ce qui aurait pu nous être utile. Mais bon. Donc, je suis allé à Pologne-Lituanie. Est-ce que je pourrais éventuellement. C'est contre qui que je suis en guerre contre eux? Pourquoi je suis en guerre contre eux? Bah, j'ai que 300, faut que je peux proposer que 303. On va perdre la province, c'est sûr, et je pourrais même pas la récupérer parce que j'ai une armée, j'ai pas du tout d'armée en fait. C'est un gros défaut de la Russie, je trouve, c'est qu'on a une armée pas du tout prête. Pas quoi faire concrètement parce que je sais pas où ils vont attaquer, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Je sais qu'ils vont prendre la ville, ça j'en suis certain, c'est trop sûr. Voilà, hein. Et j'ai même pas d'unité dedans. Donc, Sergueï, tu vas mourir, j'ai envie de dire par honneur, hein. Et je pourrais même pas la reprendre parce que j'ai même pas une armée suffisante. Si ce n'est que continuer à recruter de la fratrie des Cosaques. On va commencer à recruter la cavalerie. Voilà, on va améliorer ça. Parce que du coup, faut que. Bah, il faut que je fasse de l'armée. Il faut que je continue à améliorer mon économie. Parce que c'est une base, hein. C'est vraiment la base. Je peux encore recruter une unité. Ici, on va. On va envoyer les Cosaques là-bas. Toi, continue à faire tes orthodoxes. Ici, pour l'instant. Tiens, on va voir un petit assassinat. Il a été détecté. D'accord. Félicitations, bah tiens, on rejoint la ville. Ici, ça continue toujours à se faire. On n'est pas en guerre encore contre la Suède, mais ça se peut qu'on le devienne. Voyons voir si j'ai pas des petits amis friendly. Est-ce que la France est indifférente avec moi? La Grande-Bretagne, est-ce que je peux te demander une alliance? Intéressant, ils sont en guerre contre qui? Contre la Pologne-Lituanie, ok. Bon, on peut rien changer. On peut rien faire. Si ce n'est que passer le tour. Alors, je voudrais aussi vous faire part. Comme vous le savez, mon ordinateur est en train de me lâcher en ce moment. Et
Comment vous dire, bah, comme vous le savez, les batailles, je peux pas les faire, sauf sur Shogun, hein, c'est pour ça que j'ai commencé à filmer sur Shogun, mais j'ai commencé à regarder des ordinateurs et j'en ai trouvé un pas si mal, à vrai dire. Il coûte cher, ouais, Le ça terrain est utilisé propre à l'agriculture dans cette c'est région. certain qu'il va La coûter cher, construction de fermes à mais cet endroit j'ai envie de devrait dire que augmenter si la je veux continuer à fiabilité faire mes et vidéos, fournir des revenus c'est quand intéressants. même le prix à payer, j'ai envie de dire, hein. Bon, après, ça ne dérange pas tant que cela. Donc, je vous en ferai part un petit peu dans une vidéo, hein, que je vais faire. Que je vais faire un petit vlog. Parce que oui, hein, faut que je vous donne quand même des raisons à mon activité, Незаметные à коктейли. mon activité lente. Et d'ailleurs, je vais aussi vous le dire dans cette vidéo, le rythme des vidéos maintenant va passer à une semaine. Je sais qu'habituellement, c'est des let's play, faut que je sois plus fréquent. Mais malheureusement, je ne peux tout simplement pas être plus fréquent. Donc je vais essayer de faire une vidéo toutes les semaines, même voire peut-être deux vidéos exceptionnellement dans une semaine. Une semaine sur deux, je vais essayer de sortir deux vidéos. Mais concrètement, ce serait une vidéo par semaine. Donc ce serait le samedi que ça sortirait. Lorsque je trouverai mon temps et lorsque je trouverai vraiment un équilibre parfait entre mes vidéos et ma vie à proprement parler, on pourra commencer à parler de voire 2-3 vidéos par semaine. Et je tiens La construction à de vous fermes à préciser cet que endroit la semaine devrait prochaine, augmenter la il n'y fiabilité aura et fournir pas de des revenus vidéo. intéressants. Pour des raisons très simples, je pars toute la fin de semaine, donc vendredi, samedi, dimanche, en forêt, faire une survie, hein, tout simplement. Je vous donne pas plus de détails quant au pourquoi du comment, mais voilà. Donc la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo. Je tiens à m'excuser pour cela, mais c'est comme ça. Je peux rien y faire, à vrai dire, hein. C'est tombé comme ça. Ici, pas grand risque qu'on se fasse attaquer. Bon, par contre, mon économie, ça va très très mal, hein. Bon, ici, on va aller reconquérir ma ville. Plus, j'ai même peur qu'ici, c'est ça un petit peu triste. Donc, oui, la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo. Ensuite, comme je vous l'ai dit, je recherche un nouvel ordinateur. Bon. Il va me coûter 700$, hein, concrètement, celui que j'ai, mais j'ai envie de dire c'est un ordinateur de gamer parce que pour 700$, alors je vais le dire avec mon accent français, hein, je tiens à m'excuser pour cette irritation de l'anglais, mais Far Cry 4, il tourne en ultra, hein, et Far Cry 4, ouais, bon. Far Cry 4, voilà, je l'ai bien dit, est sorti cette année. Non, l'année dernière. Cette année, je crois, je suis plus sûr. Donc, wow, je suis très intelligent, moi. Donc, il est sorti très très récemment. Bon, qu'est-ce qu'ils font? Bon, on s'en fout, on va reprendre ma ville. Moi, je reprends. J'ai dit, je reprends ma ville, voilà, au prochain tour. Donc, ici, on va continuer à recruter. Allez hop hop hop, voilà, parce qu'il faut se défendre de l'envahisseur. Donc, je me gratte, il faut que j'arrête, voilà. On a 3000, on va continuer à améliorer notre économie. C'est très bien comme ça. Parce que vous voyez, comme ça améliore en plus le rendement des fermes. Ça améliore notre économie et ça améliore le taux de reconstitution de l'armée. C'est en soi assez pratique, j'ai envie de dire. C'est pour ça que l'économie est vraiment importante sur les Total War. Et aussi, je tiens à vous annoncer le nouveau Total War qui va sortir, le Warhammer. Personnellement, je trouve pas ça super qu'il fasse un Warhammer, même si c'est une licence très connue. Ça sort complètement des Total War. Attends, quoi? Ok, eux ils ont de l'infanterie de ligne. Négo.
Ok, mais je fais pas le point, on va se replier. Ah oui, tu pourrais... replie-toi par là, on dira rien. L'augmentation de la population dans cette région a été suffisante pour qu'une nouvelle ville émerge. Cette augmentation est liée à l'équilibre entre l'offre de Ah, nourriture une nouvelle et ville a l'offre. émergé. Plus vous avez de fermes et de chers, plus votre On va population faire une école. augmentera. Il nous faut vraiment Tandis qu'un plus peuple de. souverain et prospère à Comment l'avenir expliquer ça? Il nous faut vraiment augmente beaucoup plus considérablement de. le taux de mortalité infantile. Il nous faut vraiment plus d'académie, hein, proprement parler. Bon, logiquement, je suis censé gagner. On va faire une sauvegarde rapide. Et on va faire une auto-résolution. C'est ça que je disais. J'étais censé gagner, hein. Donc je refuse. Je suis un lâche. Effectivement, à proprement parler, je suis un lâche. Donc, changement de stratégie. Enfin, non, je suis pas un lâche. Je suis plutôt quelqu'un qui a pas envie de perdre. Hein. Pas comme ma première série, concrètement, que j'ai réellement terminée, qui s'est terminée en 7 épisodes. Donc, on va. Ok, bon, on va continuer le siège. J'ai pas envie que ma série se termine encore en 7 épisodes. Hein, comme la dernière. Donc alors ici, on va continuer à faire ça. On va continuer à améliorer l'économie. Alors qu'est-ce qu'il y a besoin? Non, 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 non. Bah je crois que j'ai tout amélioré au max. Parce qu'après ça me demande des technologies. Ouais, j'ai tout amélioré au max. Donc on va pouvoir passer ici. Peut-être que je vais pas améliorer mon armée, tiens, justement. Hop. Alors ici c'est... Ouf, ici on va faire ça. Hop, voilà. Non, je veux les constructions. Bon, ici je peux plus rien faire. Donc on va passer le tour. J'ai envie de dire que même s'il nous reste assez d'argent pour faire d'autres choses, je préfère garder mon argent. J'ai failli me faire mal. Je préfère garder mon argent que tout bonnement le dépenser, hein, parce que c'est sûr qu'au bout d'un moment, la Russie c'est compliqué à jouer, surtout les Total War. C'est un peu compliqué à jouer, mais si on s'en sort correctement, on peut faire des belles choses avec la Russie. Concrètement, c'est ça. Hein. Donc, on laisse passer le tour, et franchement, j'ai rien à dire à part. Ok, qu'est-ce qu'ils font? Mais... Je peux même pas engager la retraite. Hey, mon Dieu! C'est une nation pourrie et puis je suis pas capable de les battre. Rentrer, hein. C'est une nation pourrie et je suis pas capable de les avoir. Ça me frustre. Et plus terrible, c'est que vu que mon ordi est tellement pourri, je peux même pas faire les batailles parce que sinon je pourrais les gagner vu que logiquement un homme bat facilement une intelligence artificielle. Concrètement, c'est pour ça que je veux vraiment un meilleur ordinateur. C'est comme important parce que si j'ai pas un meilleur ordinateur, je laisse tomber ma chaîne et puis pourtant c'est quand même vraiment important parce que les jeux vidéo j'aime ça, puis j'aime ça vous montrer ce que je fais, même si c'est un petit peu barbare hein, je tiens à préciser, mais en même temps toutes les grandes chaînes ont commencé en étant des barbares à proprement parler, et je tiens à en venir au fait que la chaîne continue à grandir même si malheureusement ça va être une semaine, une vidéo par semaine. On est déjà 46, ouais bon 46 c'est pas gros pour vous mais c'est déjà bien pour moi, et je tiens à vous remercier de ça, hein. Concrètement, c'est vraiment important pour moi. Ok, non, mais non, mais non, mais non, mais laisse-moi! Laisse-moi! Tu me laisses vivre! Laisse-moi vivre!
Allez, je... Allez, bon. Oh oui, c'est vrai qu'en plus, faut que ça se reconstitue par eux-mêmes. J'avais oublié. Je l'avais oublié, cette blague. Alors, on va continuer à faire beaucoup d'unités. Ici, est-ce qu'on peut... On va construire un fort. On va se défendre ici, hein. J'ai envie de tirer. Il nous faut des défenses. Ici j'ai même pas le général, on va recruter un général. Et on continue à recruter, on va recruter de cavalerie. Ok, au prochain tour on aura une nouvelle école, ce qui en soi vraiment bien, parce que ça va permettre de booster notre technologie. Parce qu'on est très en retard, hein, militairement, civil et philosophiquement, on est très en retard. On est déjà en 1707 et il va bientôt avoir le traité d'Utrecht. Alors, qu'est-ce que c'est le traité d'Utrecht? C'est la fin d'une guerre. Je crois que c'est la guerre de 7 ans. J'en sais rien. Je me souviens même plus de mes cours d'histoire, c'est franchement très intelligent de ma part. Donc, ouais, il va bientôt avoir le traité d'Utrecht. Du coup, t'es un gentleman, toi. Tu t'en vas à l'école, gentleman, tu t'en vas à l'école. Alors, où est l'école? Où est l'école? L'école, elle est là. Hop. Alors. Porcelaine de Chine, c'était en gros ce qu'ils viennent dire. Si vous avez envie de lire et de me dire dans les commentaires qu'est-ce qu'ils ont dit, je vous invite à lire les. Je vous invite à tout bonnement mettre pause. Bon, on va faire ça. Et là, on va continuer à recruter. Et on a plus d'argent, ouais. Bon, on va attendre que cette armée se reconstitue. Et on va aller reprendre la ville. Je pense qu'il est temps, hein, parce que si une nation mineure arrive à m'envahir une ville, et de deux à mettre en défaite deux fois, il y a un problème. Vraiment, il y a un problème, je pense. Bon, après, j'ai envie de dire, c'est pas trop grave. Il faut que j'aille changer ma technologie. Donc, concrètement, pour les premiers épisodes, il va pas se passer grand chose. Alors, technologie, toi, tu vas me faire. Voilà. Non, tu vas me faire ça. Alors, ici, on va faire une military gouvernant. Tac. Bon, alors, ici. On va retourner à l'assaut de la ville. Parce que là c'est bon, je pense que j'ai une assez grande. J'ai une assez bonne armée là, je pense. Hein. Franchement. Mes revenus au prochain tour. Ouais. Donc on va aller reprendre cette ville. Et après on ira marcher sur celle-là. Donc pour l'instant, on va s'occuper de ce front. Et je pense qu'on va bientôt aller se concentrer sur l'Empire Ottoman. Parce que c'est quand même une belle part de gâteau, hein, j'ai envie de dire, l'Empire Ottoman. Même si, effectivement, ça va être un peu compliqué parce que c'est quand même une grande puissance, hein, l'Empire Ottoman. Il faut pas le négliger. Mais je suis confiant sur le fait qu'on peut le battre sans aucun souci. Akula Matata. Bon, désolé pour avoir chanté du Roi Lion. C'était ouais, intelligent de ma part. Les Bavarois ont été détruits. Ah bah, quelle tristesse pour nous. Quelle tristesse. Ok, non, mais on va arrêter de se faire taper sur les doigts là. Eh hey, oh.
Ah non, mais c'est bon, là, ça suffit. Non mais c'est bon, tant qu'à y être, tu veux t'inviter ou... Bah c'est bon, ça suffit. Tu te crois où? Tu te rentres chez toi là? Ça se passe comment? Le gars il m'envahit. En plus, c'est une nation mineure, il avait déjà de l'infanterie de ligne avant moi. Oh mais oh, il se croit où là? Il se croit... Je suis le père Fouettard, ça se passe comment là? Pardon, c'était complètement speed. Bon, on va faire une sauvegarde rapide. Voilà, j'étais censé gagner de toute manière. Hein. Non, ça tu me le brûles. Ça tu me le brûles. Non, ça tu me le brûles pas, tu me le gardes. Avec l'argent, je pouvais réanimer que deux villes. Que deux unités. Ouais. Bon, au moins on a réussi à reprendre la ville. C'est déjà une bonne nouvelle. C'est moi, c'est Nifi. Akula Matata. C'est même pas la chanson. Bon, pourquoi j'ai du roi lion dans la tête? Vous me direz. Parce que je suis stupide. Concrètement. Non, c'est pas vrai. Désolé aussi si je parle pas fort, mais ces derniers temps, je suis un peu malade. Hein. Concrètement. Alors, par contre, je suis en train de me péter les oreilles. Donc, désolé si vous entendez rien. Mais je commence à devenir sourd, donc, eh ben si vous n'êtes pas content, vous venez me parler, hein, concrètement. Bon, j'ai envie de dire on se la fait, mais sauf que. Comment tu perds là-dessus? Comment tu perds? Non, 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 non et non, tu ne perds pas là-dessus. Je suis en supériorité numérique, je ne perds pas. Oh mon dieu, il faut que je fasse la bataille moi-même. Et si ça lag, et si, je vous préviens, si ça lag et que je dois couper, et que je dois faire une coupure, vous plaignez aucunement, hein. Je tiens à préciser, vous plaignez pas. Est-ce clair? Non, parce que le coup de... Ouais, ça, c'est parce que tu sais que tu vas perdre, fait que t'as coupé. Non. Concrètement, c'est non. C'est parce que ça lag trop et je peux pas. C'est pour ça que je suis en train de regarder un nouvel ordinateur, je vous l'ai dit 23 fois. Donc si ça lag, c'est pas de ma faute. Parce que désolé, si je suis capable de la perdre, c'est complètement, il y a un problème là-dedans. Je suis pas censé perdre. I'm not something to perd. Ça se dit pas en anglais, mais c'est pas grave. J'ai hâte d'avoir un nouvel ordi. Ouais, j'ai bien hâte. Non, c'est bon ça. Bon, si ça lag trop, je vais couper, je vous préviens. Je vais vraiment couper. Parce que... Je peux pas, je peux tout simplement pas faire ce que je fais encore. Je suis ok pour perdre une fois, mais deux fois, surtout quand je suis vraiment trop, quand je suis plus nombreux qu'eux. Oui, il y a eu des fois où ce que l'infériorité numérique dans l'histoire a gagné quand même, mais bon, non plus tu vas pas me dire que face à une nation mineure, je vais perdre. Il y a des limites à tout quand même. Et donc, re tout le monde, donc comme vous l'avez vu, hein, je ne vous avais pas menti, ça a bugué, et donc l'enregistrement s'est coupé, et c'est terminé par une belle victoire, une victoire assez coûteuse, bah, quand même, pas trop, de leur côté, mais de mon côté aussi. La bataille a duré longtemps, mais je sais pas combien de temps l'épisode a réellement duré, concrètement. Bon, c'est pas grave. Donc on va continuer à poursuivre cette armée. Cette armée va aller dans le fort. Dans un fort très bien d'ailleurs.
un petit fort tranquille pour nous protéger. Ici aussi, on va en construire un. Ici, on va réparer l'armée. Une avancée technologique. Voilà. Bon, bref, hop, 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 hop. Alors, maintenant, nos fermes et ainsi de suite. Pas, on peut 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 rien faire. Donc on passe le tour et on va faire encore, je pense, 2 tours et on va s'arrêter là. Donc je sais que c'est un petit épisode, mais il est quand même assez tard. Il est 21h46 à l'heure à laquelle je vous parle. Et disons que j'ai eu une longue et douloureuse journée. Donc, ben, ça va être 2 derniers tours. Alors, pour vous dire en gros, la bataille, elle a été assez ardue, hein. À un moment donné, j'ai bien cru perdre ma région de cavalerie. Eh, oh! Bon. On a calmé le jeu. C'est vrai qu'il faut que je regarde si j'ai de l'armée, hein, parce que il est vrai que ce n'est pas facile. Bon, alors ici on les attaque. Voilà, il reste plus personne. On marche en direction d'ici. Franchement, j'avoue que c'est quand même pas mal chaud partout, hein. Mais bon, allez, ceci est notre dernier tour et je vais vous laisser. Donc, il ne s'est rien passé de l'épisode concrètement, à part une bataille, mais pour moi, pas pour vous. Donc, concrètement, c'est ça. Il s'est rien passé. J'espère qu'au prochain épisode, on va avancer. Au prochain épisode, concrètement, je pense qu'on va continuer à avancer notre percée, entre guillemets, notre percée dans. Dans les Ottomans ainsi que dans les. Oh, tiens, les pirates me proposent un truc de. Personnellement, j'accepte. Ah non, c'est le barbarie, pirate. Donc, on va arrêter l'épisode ici. On va envoyer cette armée ici. J'espère que cette vidéo vous a plu, hein, même si il s'est pas passé grand-chose, hein, comme je me suis. Maintes et maintes fois répété, mais je tiens à m'excuser, hein, de ça. C'est pas voulu, mais comme je vous l'ai dit, mon ordinateur est beaucoup trop instable pour que je puisse filmer les batailles. Donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Moi, je dis d'ici là, portez-vous bien. Merci encore pour votre attention sur ma chaîne et pour les 3 abonnés qui se sont rejoints à nous, je tiens à vous remercier. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Allez, salut tout le monde!